Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très content que vous soyez ici pour entendre cet enregistrement de la fable Le Lion et le Rat. Et maintenant, en écoutant ma voix, s'il te plaît, détendez-vous pendant que je lis la fable. Merci. Le Lion et le Rat. Il faut, autocompu, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Cette vérité du fable fait en foi. Tente la chose en probabonde, entre les pattes d'un lion, une rat sortie était assez à l'étourdi. Le rat des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était, et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'une lion d'une rat eût affaire? Cependant, il avait une cour sortie des fouets. Ce lion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne le purent défaire. Si rat accourut, évitant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur des temps font plus que force ni que rage. Merci d'avoir écouté cet enregistrement avec moi. À la prochaine fois, mesdames et messieurs.